Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour d'un jeu. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué par le titre et aussi le hurlement de début, nous allons nous intéresser à Nightronic Rush, donc qui est un jeu assez intéressant. Bien, là, je vous insère le petit écran que l'on a au démarrage. Donc c'est un genre d'expérimentation de survie, de conduite. C'est un peu original. C'est même plutôt très bizarre. Et c'est entièrement codé en C++, sans engine, sans rien. Donc je vous propose de ne sans plus attendre et de partir. Bon, j'ai déjà fait le petit tutoriel, donc on va en profiter pour commencer au début. Donc ça me rappelle énormément Tron. La musique hyper semblable à celle du dernier Tron, enfin celle de Daft Punk du dernier Tron. Les graphismes sont très 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 semblables. L'histoire est aussi semblable. Ce qui n'est pas du tout semblable, c'est la voiture. Je ne laisse pas de traînée lumineuse derrière moi. Mais vous allez voir, il y a quelques petits twists assez très intéressants dans ce jeu-là. Et donc, on va attendre que ça démarre. Et voilà. Ça y est, ça va partir bientôt. Ma voiture se matérialise. Et on part. Donc j'ai un petit turbo. Et vous allez voir au premier virage ce qui va se passer. Hop. Et là, vous voyez, je sors une petite fusée pour m'aider à partir. Donc là, j'ai raté. On peut reprendre. Hop, c'est parti. Je voulais prendre la route du haut. Youch. J'ai fait une petite figure qui n'a pas forcément été extrêmement bien. Vous voyez, je mets de mes petites fusées pour tourner plus facilement. Et de mon petit turbo pour aller fatalement beaucoup plus vite. Hop. On accélère un petit coup ici. Et donc c'est un jeu qui... C'est du score attaque. Hein. C'est aussi simple que ça. Ouf. Que je fasse attention à bien rester à peu près au bon endroit. Et donc vous allez voir, il y a quelques petits trucs assez marrants. Par exemple, quelque chose que je viens de lamentablement rater. Donc on va reprendre au checkpoint. Hop. Et là, je peux faire ça, oui, par exemple. Ça, je crois pas que je sois assuré pour ça. Hop. Que je fasse attention à pas exploser, à trop utiliser mon turbo. Youps. Bon bah ça c'était pas très intelligent de ma part. J'ai un peu été trop vite. C'est ce qui arrive quand on me laisse conduire. Hop, ici on va accélérer un petit peu. Et j'ai fini. Et j'ai failli exploser aussi. Donc vous l'avez entendu, nouvel high score. Second, j'ai fait mieux la dernière fois. J'ai fait un bien moins grand score, mais j'ai fait beaucoup plus de... Beaucoup moins de temps et beaucoup plus... Ah, je viens de faire plus de score et plus de temps. Et donc sans plus attendre, je vous propose de partir dans le second, puisqu'il y a quelques petits trucs que je vous ai pas montré. Hop. Ça par exemple, que je viens de lamentablement rater. Hop, et oui, je vole. Et bon, accessoirement, je me suis lamentablement écrasé sur la piste. Mais à ce moment-là, j'étais en train de voler et je viens encore de me rater. Je peux aussi faire le roll dans ce sens-là. J'ai presque réussi. Ah, vous avez vu, j'ai presque réussi à faire mon rôle comme ça. Bon, je suis passé par la route basse étant donné qu'en faisant mon trick, je n'ai pas réussi à passer par la route haute. Alors, là, il faut que je saute pour pouvoir passer et que j'essaye de ne pas faire n'importe quoi en même temps. Hop, on accélère, on tourne un petit peu, merci la fusée. Fais attention à rester à peu près sur la piste.
Et voilà, ça, c'est réglé. Les murs, ah, ça, je déteste les ventilateurs. Hop. Voilà. Oui. Bon, cette figure n'était pas forcément prévue à l'affiche. Je pense que vous commencez à avoir l'idée du jeu. C'est un jeu qui se joue extrêmement rapide. Le but est d'être très rapide. C'est du time attack. Hop. On saute un petit coup, on accélère encore. Et on s'écrase lamentablement. Hein, parce que c'est quand même moi qui joue, donc faut limiter un petit peu ce qu'on fait. Alors je sais pas si vous voyez. Enfin, là j'ai pas très. Là j'avais mon compteur de turbo était très élevé. Donc je vais essayer de vous le refaire au prochain saut qu'on voit. Hop. Ah non, ça on a fini. Bon, on va prendre le niveau suivant pour vous montrer la petite mécanique suivante. Hop. C'est bon, j'aimerais bien vous montrer un petit peu encore deux petits trucs qui sont vraiment super sympas. Bon. Forcément, vu que j'étais en turbo depuis le début, je me suis lamentablement explosé. Et là, vous voyez ma jauge. Et ça, c'était pas intelligent. Puisque, effectivement, j'oublie tout le temps que c'est pas forcément évident ni à faire à ce moment-là les bains et le jump. Bon, ça, c'est raté. On reprend encore un petit peu. Et le jeu se fout un petit peu de moi avec le hit skip happening. Donc, ça n'arrête pas d'arriver. Voilà, donc là, c'est parti. J'ai pas accéléré assez, on reprend encore une fois, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et vous voyez que pour une fois, je ne rage pas, parce que c'est actuellement un jeu que j'apprécie beaucoup. Bon, hein, on va faire autrement. Donc, c'est parti. C'est vraiment un jeu que je dois bien vous dire que j'apprécie énormément. Ah zut, presque. Là, je pense que vous commencez à avoir une idée de ce que je veux faire. C'est ça. Et ouais, je vole. Et j'avais oublié effectivement que quand on vole, ça monte la chaleur, donc fatalement, j'ai overheat. Bon, bah, on va se le refaire. Et ce coup-ci, on ne turbo pas. Hop. Alors, le dernier truc que je voulais vous montrer, ça aussi... Aïe, 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 aïe. Ça a à voir avec le turbo aussi. Ouf, bon, un peu plus de turbo. Voilà, si je saute, vous voyez ma jauge qui est... Reprenons et essayons de partir droit ce coup-ci. Alors vous voyez en bas, à gauche de mon temps, j'ai une jauge d'overheat en fait. Et donc là vous voyez, elle a monté un petit peu, et là je fais un trick, et ma jauge d'overheat repart immédiatement à zéro. Donc vous pouvez jouer avec ça en fait, pour réduire votre overheat. Alors il y a des petites scies. Ah, super. On va finir ce niveau ensemble quand même. Là, effectivement, il aurait fallu que je saute. Yeah! Alors là, je suis clairement pas assuré pour ça. C'est évident. Je pense que je ne suis pas non plus assuré contre les murs. Bon, d'accord. Je me suis un peu éclaté à ce niveau-là.
Aïe. Bon, ça c'était pas très intelligent de ma part non plus. C'est reparti. Voilà, bon ça, c'était sûr que ça allait arriver. Ça c'était pas très gagné, mais il a raison. L'inertie, c'est la mort. Ah, aïe. Ça, ça pique. Alors, si je pouvais avoir la caméra bien dans le bon sens, ce serait vachement plus facile d'un coup. Donc là, hop, on va accélérer un petit peu. On va s'éclater lamentablement. Hop. Voilà. C'est parti. Ça, c'est raté. C'est reparti. Juste quand je voulais finir rapidement un niveau. Aïe. Bon. Ça, c'était complètement... Je me suis trompé de touche. Et vous avez vu que je suis reparti sur le cadavre de ma voiture précédente. Donc ce coup-ci, on va éviter... C'est bien parce que je dis qu'on va éviter le bloc et on se le prend trois fois d'affilée. On accélère un petit peu, on évite les scies et on n'arrive pas à éviter le bloc, donc c'est encore une fois reparti. Hop. Hop, donc là il y a un bloc qui va popper ici, ici il y a des scies. C'est petit comme trou quand même. Ou alors c'est moi qui suis vraiment juste trop mauvais. Ce qui est possible aussi. Donc ça c'est raté. Je remarque que le nuclear, il l'utilise si je fais des choses bien et aussi si je fais des choses très mauvaises. Oui, ça c'était ridicule, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon bon âme. Ah là 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 là. Bon, pour le score, pour le time attack là, c'est même pas la peine d'y penser, hein. Là, c'est plus que catastrophique de ma part. Ah là 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 là. Je ne vous lâcherai pas tant que je n'y arrive pas. Hein, ça c'est dit. Prévoyez de passer encore un certain temps. Je pourrais laisser un blanc pour l'insérer au montage, mais je ne le ferai pas. Bon, je vais arrêter les barrel roll ici. Bon, pourquoi j'y arrive plus? Attends, c'est pas si difficile que ça. Alors maintenant, faire attention au mur qui pop ici. Faire attention aussi. Puis le petit trou. On doit pas être très loin de la fin pourtant. Hein. Ah là 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 là. Alors le mur ici. Ça ici, ça là, ça là, voilà. Un mur, forcément un trou, donc j'ai pas réussi à le prendre. Attends, ça ne devrait plus étonner personne venant de moi maintenant. Ah là, bon, je vais ralentir ce coup-ci. Vous allez voir, je vais pas du tout le faire, mais donc. Éviter le mur. Bon. Voilà, on saute et c'est enfin la fin. La fin n'était pas loin, mais j'ai mis longtemps. Bon voilà, je pense que vous avez vu toutes les mécaniques du jeu. J'espère que ça vous a plu et bah vraiment, je vous encourage à y jouer puisque c'est vraiment excellent et, moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié donc bien oui je ne peux que vous encourager à y jouer. À bientôt pour un nouvel épisode de Autour d'un jeu. Au revoir.